La province de l'Inédit Est, dotée de tables bancs, a l'effet d'améliorer les conditions d'étude des élèves. C'est au total 1000 tables bancs réceptionnées et chaque département en recevra 200. C'est l'œuvre de la Fondation Grand Cœur, association des bienfaisances soucieuses du bien-être des enfants tchadiens. En investissant dans l'éducation, la Fondation Grand Cœur et sa présidente Inda Debi Idno ont ciblé la racine de développement socio-économique de notre pays. Une initiative qui ne laisse pas indifférent les délégués provinciaux de l'éducation de l'Inédit Est, Goypaï Mbangwara, qui salue la Fondation Grand Cœur. Aujourd'hui, ce sont les tables bancs. Pour ce geste de bienfaisance, combien de fois louable, je souhaite longue vie à la Fondation Grand Cœur et à sa fondatrice. De son côté, le secrétaire général de la province de l'Inédit Est, Adamu Oumarou, rend un grand hommage au chef de l'État. Ce geste s'inscrit dans la droite ligne de la politique de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Idriss Déby Idno, qui fait de l'éducation de la jeunesse tchadienne la priorité de ses priorités. Pour sa part, le représentant du point focal Bienvenue Dingamro exhorte les bénéficiaires à faire un bon usage.